Salut les gars, alors petite vidéo pour parler un petit peu des bateaux. Comme vous avez pu voir sur les vidéos, j'ai démarré il n'y a pas longtemps. Donc c'est tout nouveau pour moi en fait, cet univers que je ne connaissais pas du tout. Alors au début, j'étais très réticent à me mettre dans les bateaux parce que je me suis dit c'est un truc... emmerde et c'est pas évident à gérer, surtout quand on se retrouve avec des bateaux retournés ou à l'envers, donc avec tout ce système de logistique au niveau de la repêche, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc au début j'avais commencé par le choix de cette marque, donc je suis parti sur du ProBot. Alors nous au niveau du groupe de RC Caravignon, on avait Dorian qui lui fait du bateau depuis des dizaines d'années, et donc qui tourne sur du Traxxas, sur du Spartan en 6S, et donc bon, moi j'ai voulu tester une autre marque pour avoir une vision un petit peu différente, et j'aimais bien en fait ce côté de cette marque ProBot. Alors c'est le groupe Horizon Hobby dessus, car c'est ce qui me plaisait surtout, c'était de pouvoir retrouver une électro qui est du Firma derrière, ou du Spektrum Firma, et qui est en fait en gros du Obi-Wing. Et donc c'est de l'électro que j'aime beaucoup parce qu'il est souvent simple à régler, facile, avec une gestion électronique toujours très simple. Voilà, donc c'est ce qui me plaît toujours chez Obi-Wing, et ce que l'on retrouve chez Spektrum. Alors au début j'ai commencé par ce bateau. En fait j'ai été séduit par celui-ci parce qu'en fait on était sur une coque en fibre de verre, et c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte vraiment pas mal de rigidité. Donc c'est des bateaux qui sont relativement bien conçus, une belle électro dedans, on a un Spektrum Firma dessus en ESC qui est en 160 ampères, donc c'est vrai ça va bien branché, on a un moteur relativement long qui est un 36-80 dessus. Après donc j'avais fait quelques petites modifs dessus pour en installant une pompe pour avoir un système de refroidissement qui sont un peu plus intéressants. Mais c'est vrai qu'au début c'est vraiment l'inconnu total pour moi, car je connaissais rien au niveau des hélices, la partie technique, le coupleur, le shaft, les hélices. Donc c'est vrai que toutes ces choses là, il a fallu que je me familiarise avec cet univers, et c'est en faisant des runs et puis en étant aidé aussi, accompagné par Dorian, où j'ai pu avancer et progresser un petit peu dans cette discipline. Alors moi j'ai fait le choix de partir sur du RTR, donc c'est des machines qui sont prêtes à rouler, en gros il n'y a pas grand chose à faire dessus. Et donc j'ai démarré avec ce Impulse 32, qui est vraiment une très belle machine, mais qui quand même demande plus de réglage. Donc c'est aussi une machine qui est plus lourde comparée au SonicWake qui est ici. Et après bon, ça demande aussi une logistique d'avoir un bateau de repêche ou un système de repêche de ce type là, qui permet en fait de pouvoir récupérer le bateau quand il se retourne. C'est en fait le gros stress, c'est effectivement quand les bateaux se retournent, il faut qu'on puisse en fait envoyer notre bateau pour pouvoir le récupérer, ou alors ou on y va à la nage, ou on y va en canot pneumatique. Donc c'est vrai que c'est des trucs qui sont un peu lourds quoi, un peu en conséquence aussi, et c'est toujours un peu flippant quoi. Voilà, c'est la partie stress en fait, je dirais, du bateau, c'est se dire ok, j'ai le bateau, il part, il se retourne, bon ben il faut qu'on puisse aller le récupérer, et c'est le côté vraiment un peu stressant quand on démarre. Alors sur le Impulse 32, donc c'est la dernière version de chez ProBoat, de ce modèle là, donc c'est un 32 pouces, ce qui fait à peu près un gabarit de 90 cm à peu près. Ouais, c'est ça, 90 cm au bout de l'aileron, du gouvernail pardon, sinon on est sur une longueur de coque de 84 cm et on a une largeur de environ, ouais c'est ça, 25-26 dessus. Alors c'est un bateau que j'aime beaucoup, c'est une petite bombe, mais c'est clair qu'il faut penser à avoir un système de repêche derrière, sinon c'est un bateau qui est génial, mais qui est quand même beaucoup plus dur à régler de par sa coque je pense. Moi j'ai beaucoup eu de problèmes en fait avec le fait que quand je tourne un peu sec en fait, le bateau en fait a tendance à faire des têtes à queue, donc ça c'est un peu le côté problématique de cette machine là. Donc je me suis, avec l'expérience, j'ai compris en fait que le problème c'est que j'avais un angle de braquage qui était trop élevé au niveau du gouvernail, qui faisait que j'avais des têtes à queue qui se créaient quand je naviguais avec. Voilà. Je suis parti, j'ai acheté ce SonicWake. En plus c'est une machine qui est un peu moins chère, donc ça c'est sympa. Il prend du 6S aussi. On a un moteur qui est différent et un vario différent. Là, on est sur du 120 ampères dessus. Et donc, ça prend du 6S, pas de souci. Et ensuite, on a un moteur qui est en 50... enfin, j'arrive pas à trouver les infos réellement, mais d'après, je pense que c'est du 49,74, 49,80, un truc comme ça. Je pense qu'il faudra vraiment que je vérifie, mais j'arrive pas à trouver les informations. Je crois qu'il faudra vraiment que je le démonte pour voir les dimensions qu'on a dessus. Donc le seul souci que j'ai eu à cette machine au départ, c'est qu'en fait j'avais des coupures thermiques, même avec l'hélice d'origine. En fait, j'arrivais pas à tenir un run complet. Pourtant, je naviguais sur un bras du Rhône à côté de chez nous. Et donc, en fait, on se retrouvait avec une eau qui était tout à fait correcte. C'était pas étropique, quoi. Et en fait, c'est clair qu'on arrivait à tenir... ouais, enfin, je faisais quoi quelques minutes, et clac, il se mettait en coupure. Il restait encore 15 à 20% de batterie dessus. Pourtant, je tournais pas à fond non-stop avec, mais j'arrivais sur des coupures thermiques. Dès que j'ai mis la pompe, la petite pompe là, ça coûte 15 balles à peu près sur Amazon, ça m'a permis vraiment d'avoir un refroidissement de meilleure qualité, et je n'ai plus eu aucun problème avec au niveau des coupures thermiques. Donc je dirais que acheter ce type de bateau, c'est intéressant de toute façon, d'installer une pompe. Je pense que même sur celui-là, de toute façon, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, et ça permet vraiment de bien refroidir, l'électro. Voilà. Alors c'est vrai que cette machine est complètement différente, parce qu'on est sur une coque qui est un peu plus grande. On est sur du 36 pouces, donc là on est sur une longueur en fait de 100 cm, dessus 102, à l'extrémité du gouvernail et à la proue du bateau. Et après on est sur une largeur qui est beaucoup plus conséquente. On est à 28-29 cm de large. Et là, on a une machine qui est complètement différente au niveau du pilotage. Et en plus, c'est surtout pour ça que je l'ai pris, c'est qu'on a un système d'auto-retournement. D'accord ? Vous avez ici un système de ballast, là, donc l'eau rentre dedans quand le bateau est en l'envers, et ça permet en fait qu'il se retourne automatiquement. Et ça, je peux vous dire que c'est un sacré stress en moins quand on navigue avec ce type de bateau. Voilà. Parce que ça m'est arrivé, mais... je sais pas moi, des vingtaines, peut-être 20 ou 30 fois de le retourner, parce que c'est quand même des machines qui prennent aux alentours de 80 km/h, facile. Là on est à 90 km/h, full stock aussi d'origine, donc c'est quand même impressionnant sur eau, parce que même si on le regarde en vidéo, on a l'impression que ça va pas forcément très vite, mais je peux vous assurer que ça va super méga vite, quoi. Voilà. C'est bluffant, quoi. Et donc en fait, ouais, ce qui me plaisait, c'était ce côté là d'avoir le système d'auto-retournement, et ça c'est un truc qui est vraiment génial. Et aujourd'hui je préfère ce bateau que celui-ci, rien que déjà pour enlever ce côté stress d'avoir le bateau qui se retourne et qui puisse se retourner automatiquement, et ça c'est vraiment génial. Après, c'est vrai que pour les puristes, je pense, c'est clair que la coque fibre de verre, c'est beaucoup plus intéressant, on a beaucoup plus de rigidité. Par contre, on est sur du 3,5 kg ici, et là on est sur du 2 kg, 2,2 kg si je me trompe. Voilà. Et alors après, quelque chose que j'aime bien aussi sur cette marque, c'est ce système de fixation avec ce verrouillage là, par vis, qui empêche réellement d'avoir l'eau qui rentre dans la cabine du bateau, et d'avoir des prises d'eau de tous les côtés, ou avec un gros choc à grande vitesse, de se retrouver comme ce qu'on a très souvent sur le Spartan, d'avoir le capot qui s'arrache. Et alors là, c'est le bateau qui se retrouve comme ça, et je l'ai vu mais plein de fois, déjà avec Dorian qui tourne avec moi, et donc c'est vrai que c'est quand même un truc vraiment galère. Donc ce côté là d'avoir ce capot qui se verrouille, et pour les ProBoat c'est comme ça, ça se met en pression. On a un système de joint qui est dessous ici, donc qui fait vraiment l'étanchéité, et donc c'est vrai que c'est génial, rien que pour ça. Voilà, donc ça je kiffe, rien que pour ça c'est déjà pour moi un gros avantage par rapport au Spartan, qui est pour moi en fait le bateau, on va dire, un peu emblématique du RTR qu'on trouve sur le marché. Voilà, mais ça vraiment j'adore, quoi. Ça c'est vraiment génial. Alors, ce qui est sympa aussi sur les bateaux, c'est qu'en fait on a très peu d'entretien. C'est-à-dire que quand on a fini notre session, En gros, si vraiment on sait qu'on ne va pas l'utiliser pendant quelques jours, c'est clair qu'on démonte l'arbre ici, donc on appelle ça le shaft. Donc ça permet en fait de pouvoir enlever l'arbre et de pouvoir, en fait, il faut le graisser, d'accord, pour éviter que, ben, pour qu'il y ait déjà un système d'étanchéité qui se fait avec ces graisses marines. Et puis en fait ça permet aussi d'avoir ce système de lubrification, voilà, parce que ça tourne quand même sacrément vite dedans. Et donc c'est un truc qu'on doit faire, on va dire, en général, toutes les 2-3 sorties quand on tourne quasiment tous les jours. Donc voilà, par exemple moi j'ai passé quelques jours au bord d'un lac là, donc ça permet de pouvoir tester les machines. Et donc c'est clair que bon, quand je savais que le lendemain j'allais en refaire, bon, que j'avais pas trop tourné avec, bon ben je graissais pas forcément les shafts. Mais bon, par contre c'est vrai que quand je savais, si je passe quelques jours sans utiliser la machine, c'est clair qu'on démonte l'arbre. Et c'est vrai que ça permet on graisse, et donc ça permet d'être tout nickel, qu'il n'y ait pas de rouille qui se fasse autour. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Après, au niveau du démontage, rien de très très compliqué. On a le coupleur qui est ici, on prend 2 clés de 10, on dévisse, et à partir de là, quand c'est bien dévissé, on tire l'arbre, et après on injecte de la graisse, on nettoie le flex, et donc c'est quelque chose qui est vraiment pas très compliqué. Donc en gros, pas grand chose à faire au niveau de l'entretien, quoi. Voilà. Pareil, tout ce qui est système de tuyauterie, voilà, s'il y a de l'eau, bon ben on souffle dedans, ça permet en fait de sortir toute l'eau qu'il y a dedans pour éviter qu'il y ait de l'eau qui traîne dedans. On laisse toujours bien aérer les bateaux de façon qu'il n'y ait pas de l'eau qui reste à l'intérieur et qui abîme. Bon voilà, après c'est vraiment la seule chose qu'il y a à faire, quoi. Voilà. Alors, ensuite je vais vous parler un petit peu des hélices. Ça pareil aussi, c'est un peu le grand inconnu, c'est un peu comme les pignons sur les voitures. Donc au début, donc c'est bien sûr fourni avec des hélices qui sont adaptées au bateau. Et en fait, comme les pignons de RC, suivant si on veut un peu plus de puissance, suivant si on veut un peu plus de vitesse, c'est choisir, on va dire, l'hélice qui va apporter en fait ou un gain de puissance ou qui va apporter aussi un peu plus de vitesse, tout en, mais bon, après il faut faire attention aussi dans le sens où il faut choisir la bonne hélice de façon qu'on ne crée pas une chauffe vario, une chauffe moteur, et qu'on ait quelque chose qui soit adapté, quoi. C'est clair que si je mets une hélice qui est trop grosse ou avec un pitch peut-être trop élevé, on va se retrouver en fait avec une chauffe vario, une chauffe moteur, on va bouffer en autonomie, parce que je peux vous assurer que les batteries elles ramassent sévère au niveau des bateaux. D'ailleurs c'est impressionnant au niveau de la chauffe qu'on retrouve là, au niveau des prises là, on monte à 50-60 degrés au niveau des jonctions, au niveau des fiches, quoi. Voilà. Donc les hélices, eh ben, j'ai un peu tâtonné. En plus au début on parle d'arbre de 5, bon, parce qu'on a une sortie moteur qui est en 5, on a un coupleur qui est au milieu qui va faire la jonction sur le shaft, sur l'arbre, et donc après ben, on a une sortie en 4,75 qui est ici, et après bon, il faut trouver des hélices différentes. Donc c'est vrai qu'au début j'ai un peu tâtonné, donc j'ai passé quand même pas mal d'heures sur internet. Il y a certains sites qui sont spécialisés aussi en France où on peut trouver quelques hélices, mais j'ai pas toujours trouvé ce que je voulais, et c'est à force de tâtonner en essayant quelques hélices qu'on arrive à trouver en fait quelques hélices intéressantes, et en testant les différentes hélices on se retrouve en fait à se dire ok, bon ben ça là par exemple elle est bien mais on est trop sur de la vitesse, donc c'est pas intéressant, donc je vais par exemple prendre ça là, je me dis ok, ça là je vais avoir un peu plus de punch au démarrage, je vais perdre un petit peu en vitesse, ou alors je vais en trouver une qui va faire un compromis punch avec de la vitesse aussi. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à trouver quelque chose qui soit en adéquation avec ce qu'on recherche, mais aussi avec la chauffe au niveau de l'électro. Voilà. Donc ça c'est super important. Et c'est vrai que quand on démarre, c'est pas évident. Voilà, c'est pas toujours très expliqué. Donc il y a des sites américains où en fait on arrive à trouver un peu des infos sur le pas, sur le pitch, sur les inclinaisons, au niveau des hélices. Donc c'est vrai que ça donne pas mal d'infos, mais en France, je ne suis pas arrivé à trouver beaucoup d'informations au niveau des chaînes, donc je me dis qu'en faisant peut-être ces petites vidéos, là, ça pourra peut-être aider certains à vouloir se lancer un petit peu dans les bateaux et démarrer sans faire trop de conneries, quoi. Voilà. Alors, il y a eu celui-ci aussi, donc ça c'était le deuxième que j'ai acheté en fait. Ce petit roquet, c'était pour que je puisse l'utiliser un petit peu en bateau de repêche, mais bon, honnêtement, c'est un peu juste comme bateau, c'est petit, donc avoir un système qui s'adapte dessus pour pousser et puis pousser les gros bateaux derrière, donc c'est assez compliqué. Par contre, c'est une machine qui est vraiment très intéressante, c'est un bateau très intéressant. Pareil, c'est du RTR, donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire dessus, et donc ça nécessite pareil très peu d'entretien dessus. Il y a un système aussi d'auto-retournement qui est fourni avec. Alors après, j'ai beaucoup passé de temps au début sur ce bateau à essayer de comprendre comment fonctionnait la marche arrière, parce que c'est sur certains sites étrangers, certains mentionnent qu'il y a une marche arrière, mais en fait non, il n'y a pas de marche arrière sur ce bateau, sur le Rocket V2, et bon, en soi c'est pas forcément grave, mais si on utilise ça pour essayer de récupérer ou pousser un bateau qui est un peu à l'envers, c'est clair que ne pas avoir de marche arrière, c'est compliqué, et ça nous avait eu quelques déboires avec Dorian lors de notre deuxième sortie où son bateau de repêche a coulé d'ailleurs. Donc voilà, sinon un petit bateau sympa pour démarrer. On est à 250 balles dessus, avec une batterie, avec un chargeur, donc en fait ça permet de pouvoir démarrer gentiment. Et puis je l'ai testé en 2S, j'ai testé en 3S. Alors c'est clair que le 3S c'est fun, c'est super rigolo comme machine, mais ouais, entre 2 et 3S, c'est clair que le 3S c'est quand même plus sympa, c'est plus péchu. Et après c'est assez bluffant comme petit bateau, parce qu'on a une maniabilité qui est déconcertante. Voilà, donc c'est vraiment super quoi. Alors après, pour continuer dans les bateaux, je dirais qu'un des gros investissements, ça va être les batteries, parce que l'autonomie des batteries, moi j'utilise des îles, hein, qui sont des 5200, mais j'ai aussi j'ai pris des plus grosses en 8000 dessus. C'est clair qu'en fait, si on tourne plein pot, que ce soit avec l'Impulse 32 ou le SonicWake, on est en autonomie. Et vraiment, si on est plein gaz tout le temps, on fait 3, 4, allez, 5 minutes grand max au niveau de l'autonomie. Donc ça nécessite d'avoir un paquet de batteries pour pouvoir faire joujou. Et donc après, si on a une utilisation, c'est-à-dire qu'on va faire des pointes pendant 3-4 secondes, alors 3-4 secondes à 80-90 km/h, il y a déjà de quoi s'amuser. Puis après, allez, renaviguer un petit peu à vitesse modérée, voilà, on arrivera à gagner un peu plus en autonomie. Allez, on va dire qu'avec une 5200 ampères, avec deux packs de 5200, on va tenir à peu près 8-10 minutes, voilà. Et avec les 8000, là, j'arrive à tenir 12-13 minutes avec, voilà. Bon, après, ça dépend comment on tourne avec et comment on l'utilise. C'est clair que si on est plein gaz, ça bouffe à une vitesse les batteries, c'est hallucinant. Mais vraiment, c'est bluffant la chauffe que ça génère au niveau des fiches, là, c'est hallucinant, quoi. On monte à 50, 55 degrés, 60 degrés au niveau des fiches. On voit que ça tire bien dessus, quoi. Voilà. Donc retour vraiment super positif des bateaux. Alors je me suis vraiment régalé avec celui-ci, que j'avais pris là pendant une petite dizaine de jours là, autour d'un lac, parce que bon, j'ai pris celui-ci pour avoir la tranquillité de me dire ok, même si j'avais des solutions de bateaux, de barques pour pouvoir les récupérer, voilà, je voulais faire joujou tranquille, sans avoir le stress là d'aller le chercher à la nage ou en bateau. Donc ça, enfin, pour moi, enfin, c'est vraiment la valeur sûre, et c'est une machine qui est vraiment géniale, quoi. Voilà, vraiment, je me régale avec, c'est trop bien. Et je me demande même si je vais pas m'amuser à le passer en 8S celui-ci, pour voir quelque chose de un peu différent, pour avoir un peu plus d'autonomie dessus, avec un peu moins de KV. Donc bon, je suis en train de cogiter là, à regarder tout ça. Je pense que ça fera partie des prochains projets au niveau des bateaux. Voilà. Ben sinon, écoutez, rien de plus. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu, vous donnera peut-être l'envie de passer sur des bateaux, mais bon, voilà, avoir un bateau avec un système d'auto-retournement ou sans, mais voilà, ça dépend. C'est sûr que si on est en club, on va avoir des solutions de repêche qui vont être là, donc c'est sûrement plus accessible et plus facile. Si on veut naviguer seul ou avec des potes et on veut la tranquillité, c'est sûr qu'avec des solutions de bateau avec de l'auto-retournement, c'est clair que ça change la vie, c'est vraiment pas le stress. Après, il n'y a pas de risque zéro. Ça m'est arrivé sur la, sur la vingtaine de fois ou voire plus qui s'est retourné le bateau, ça n'arrivait qu'une fois où il a eu du mal à se retourner parce que il avait pris un peu l'eau quand même dedans après avoir pris une grosse boîte. Mais bon, ça a été la seule fois quoi. Mais non, honnêtement, vraiment jolie découverte. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et puis bon à suivre les prochaines vidéos, il y en a pas mal qui vont arriver sur le bateau. Voilà, je vous dis à très bientôt, salut les gars.